Nous sommes maintenant en 1967. J'ai 4 ans. Mon père est dans le salon et je l'entends rire aux larmes parce qu'il remet en boucle un disque des cyniques. L'Église a été une des cibles préférées des cyniques. Il faut se rappeler que dans les années 50-60, l'Église dirigeait nos vies, ponctuait notre quotidien et, supposément, sauvait nos âmes de pécheurs en perpétuel état de péché. Ce soir, pour rendre hommage aux cyniques dans un numéro emblématique de ce groupe, dans un examen de conscience irrévérencieux mais ô combien jouissif, nous avons la chance d'accueillir le grand comédien et ami, M. Vincent Bilodeau. Est-ce que j'ai fait des mauvaises choses? Seul ou avec d'autres? Et si c'est avec d'autres, de quel sexe? Est-ce que j'ai chanté des chansons cochonnes? Est-ce que j'ai raconté des histoires cochonnes? Est-ce que j'ai mangé comme un cochon? Ai-je souhaité la mort de Stephen Harper? Serai-je bientôt exaucé? Suis-je abonné à Playboy? Est-ce que j'ai montré mes foufounes? Ai-je susauté des jujubes? Est-ce que j'ai pris ma douche nue? Me suis-je déjà couché sur le ventre pour mieux jouir? Ah oui? Chanceuse. Dans mon lit, suis-je immobile? Ou me meuge? Mes bien chers frères et sœurs, pour votre pénitence, vous me réciterez 3 Ave, 4 Pater et 1 Je vous salue Marie. C'était Vincent Bilodeau, mesdames et messieurs.